Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astre Bonne. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Yeah! Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour une autre vidéo analyse. C'est une vidéo extraordinaire. Et ici, nous allons voir des choses qui sont parfois cachées, très cachées de toute façon. Tu ne peux pas voir ça tant que la fille n'a pas fait quelque chose, n'a pas levé son vêtement. Oh, c'est une chose qui est sur elle, qui est censée appartenir au diable. Mais elle ne le sait pas encore. Et ce que nous allons vous montrer va vous aider à comprendre ce de quoi nous voulons vous parler clairement ici. En Afrique, on appelle cette histoire le Baya. Chez vous, peut-être vous allez l'appeler... Comment vous allez l'appeler? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça se trouve en général sur les reins des femmes. Elles disent qu'elles le mettent tout simplement parce que quand elles le mettent, ça attire ou encore ça impressionne leur mari. Même dans l'acte sexuel, ils sentent beaucoup plus de... Je ne sais même pas quoi. Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs! Avant d'utiliser quelque chose, sachez d'abord l'origine de cette chose. Et ici, nous faisons une vidéo pour vous dire que si vous avez encore ces choses et que vous transportez ces choses sur vous, sachez immédiatement que vous avez des dieux étrangers sur vous. Parce que ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est même pas Dieu même qui a demandé de créer. Le problème avec ces histoires, c'est que le diable et ses démons ont décidé de fabriquer ou encore de posséder certains objets. Et il y a certains objets comme ça qui sont sur les femmes qui sont à l'honneur d'une sirène, c'est-à-dire un démon. C'est elle-même qui a mené les femmes ou encore certaines personnes à créer de telles choses. Et ce qui est étrange, c'est que dans le témoignage 205 sur Nyans Repon, une femme qui a visité l'enfer a vu une autre femme là-bas qui avait également cette histoire que nous allons vous montrer dans la... Bon, à tout de suite, nous allons vous montrer maintenant. Mais elle avait ça. Et à cause de ça aussi, elle s'est retrouvée tout simplement là-bas. Nous ne voulons pas voir des personnes aller là-bas par ignorance. Or, ce sont des choses qu'on peut laisser facilement. Mes frères et sœurs, que nos yeux soient éveillés. Si nous faisons cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes mauvais, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Nous sommes en train de vous dire que il y a des choses que le diable fabrique, dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez tout simplement les abandonner. Une fois que vous les aurez abandonnés, vous serez en bonne santé, vous serez en sécurité. Et il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Pour Dieu, quand on nomme Dieu, on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là! Mes frères et sœurs, ça va être chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez la première image. Let's go. Woo! Qu'est-ce que c'est? Regardez vous-même. On voit une fille qui a un ventre ouvert comme ça. Et on voit cet élément dont nous sommes en train de vous parler là. C'est ce qui... Ce fil là, qui est autour de ses reins. C'est ce fil-là même dont nous sommes en train de vous parler ici. C'est de ce fil en question. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. C'est ça qu'il faut éviter. Mais pourquoi les gens ont décidé de mettre tout pareil sur les reins? Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez encore que c'est un hasard? Mais bien sûr que non. Ça vient d'où? Cherchez à savoir d'où ça vient. Dans la parole de Dieu, on parle des femmes étrangères. Et les femmes étrangères aimaient beaucoup porter des bracelets, beaucoup porter des bijoux, des ornements, toutes sortes de choses. Et aussi, ces genres de choses que vous voyez là, quand ça se trouve sur les reins et qu'elles se trouvent avec leur mari ou encore leur copain, bon, je ne sais même pas, elles bougent les reins là comme ça. Et on entend le bruit de ces histoires là. Ça se remue comme ça. Ça sonne. Ça fait le bruit. Comme si c'était le bruit d'un serpent à sonnette.
Faisons attention, hein. Faisons vraiment attention, mes frères et sœurs. Regardez encore. Wouh! Là, les choses se compliquent. Quand on parle de cette histoire, vous voyez maintenant que ça se confirme là. Là, nous avons la confirmation. La confirmation. Effectivement, c'est ça. Ces choses sont remplies comme ça sur leurs reins. Et elles se disent que c'est juste pour rigoler. C'est juste pour s'amuser. Ah! Faites attention. Faites vraiment attention, mes frères et sœurs. Regardez encore. Vous pensez que c'était un hasard? Vous pensez que c'était encore un hasard? On va carrément serrer. On va s'arrange. Et ça se trouve carrément là. On veut dire que c'est là où l'homme positionne sa main lorsqu'il est en action. Ou bien, vous pensez que c'est un truc qui est là juste pour stimuler les gens. Même pour séduire les humains. Si elle passe dans la rue comme ça, ou bien sur la plage, et puis tu as vu ça, tu vas chercher à avoir des rapports sexuels avec elle. Forcément, tu seras séduit. Ce sont des objets de séduction. Tu veux séduire qui? Ton mari? C'est bien. Mais, si Dieu te dit aujourd'hui que ces choses viennent des démons, même d'un dieu étranger, qu'on appelle encore le faux dieu, toi, il faut les abandonner. Toi, il faut les laisser si tu aimes vraiment Dieu. Regardez, il y a une femme musulmane même qui nous a rendu son témoignage même aujourd'hui. Elle avait aussi toutes ces choses. Pour l'amour de Dieu, elle les a tous laissées. Elle a abandonné ces choses pour revenir à Dieu sincèrement. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et le problème ici est que quand les femmes meurent dans cette situation et qu'elles arrivent sur la porte, c'est-à-dire qu'elles arrivent sur le chemin qui les mène au paradis, dès qu'elles arrivent vers la porte du paradis, il y a un ange qui est là-bas et il les attend. Lui, dès qu'il va les regarder et il va voir seulement ce petit truc que tu as mis sur toi là, comme ça là, lui va te dire, va te poser la question de savoir, mais sais-tu que tu as quelque chose du diable sur toi? Tu vas dire, mais où? Où est-ce que c'est? Où est la chose du diable que j'ai sur moi? Et c'est en ce moment-là, il va te dire, regarde sur sur ta hanche. Tu vas regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le paradis et le ciel? C'est en ce moment, il va te dire que au paradis ici, on n'entre pas avec des choses qui viennent de Satan ou encore des dieux étrangers. Si tu as encore ces choses-là sur toi, sache immédiatement que il n'y entrera pas. Donc tu ne peux pas entrer au paradis. Toi-même, tu as eu la réponse. Tu seras obligé d'aller à l'enfer. Et il y a un démon même. Le démon même qui sera responsable de cette histoire, c'est ce démon-là même qui va venir te capturer comme ça et t'amener à l'enfer. C'est un témoin que nous avons reçu. Regardez tout simplement les témoins puissants précédents. Tous les témoins puissants précédents. Et vous allez découvrir ça. Vous serez étonné. Les faux cheveux, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux sourcils, là. Toutes ces histoires à abandonner. Même les pantalons, nous avons en parlé hier. Les femmes ont décidé de tout simplement porter les vêtements d'hommes. L'homme porte un pantalon, la fille aussi porte un pantalon, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Et c'est ce que Dieu ne veut pas, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ces choses sont plus réelles que réelles. Regardez encore. Waouh! Là, ça se complique. Vous vous posez même pas la question de savoir, mais pourquoi c'est beaucoup comme ça sur sa hanche? C'est beaucoup. Regardez. C'est beau. On ne dit pas que c'est vilain. Hein? C'est joli. Moi, j'ai vu des mêmes en tout ça là pour toucher. Il dit, ah, ma chérie, tu es jolie. Mais si Dieu dit, il ne veut pas, et que ça vient de Satan. Satan, nous savons que Satan, c'est un faux type. C'est pas quelqu'un de bien. Il ne peut pas nous donner un truc qui va nous arranger. Sinon, ça va nous détruire à petit feu. Toi, je serais obligé de dire à ma femme, franchement, tu es belle, mais moi, je vais te voir à la naturelle. Tel que Dieu t'a créé. Tel que Dieu t'a créé. Toi-même, mes frères et sœurs, chaque jour, là, il faudrait qu'on s'examine aussi au niveau de notre corps. Si tu te mets face au miroir, dans ta douche, et puis, retourne-toi. Et regarde-toi dans la glace.
Témoins-toi, est-ce que je suis toujours à l'image de Dieu? Est-ce que je suis toujours tel que Dieu m'a créé? Parce que tu n'es pas encore comme Dieu t'a créé. Sache que tu entends j'ai. Parce que tu as besoin de revenir à cette nature-là. Une femme musulmane, dès qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle est obligée de se laver la face et d'enlever tous ses make-up. Imaginez la suite, mes frères et sœurs. Imaginez la suite. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé après. Vous ne pouvez pas imaginer. Pour plaire à Dieu, ou encore pour aller au paradis, là. Franchement, vous faites des sacrifices. La parole de Dieu nous dit aussi que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Comment tu as aimé le monde? Comment on sait que toi tu aimes le monde? C'est quand on voit tout ça sur toi. Parce que ça vient du monde. Quand tu es né là, est-ce que tu avais ça sur toi? Mais bien sûr que non! Mais il a fallu que tu vois ça sur quelqu'un qui se trouve où? Dans ce monde. Et toi, ça t'a séduit. Tu t'es dit que oh, c'est joli. Je vais mettre ça, je vais mettre sur moi pour impressionner mon mari. Ou bien mon futur mari. Mon fiancé. Je vais lui montrer ça. Je vais montrer les belles choses sur mes reins pour qu'il soit toujours à moi. Ton mari, là, tu penses que c'est ça qui va le retenir à la maison? Ou bien tu penses que ce sont les gris-gris là, qui vont faire qu'il sera fidèle? Bon, est-ce que cette fille-là et cette fille-là, elles sont pareilles? C'est deux filles différentes. Donc si tu as séduit ton mari par rapport à ça, quand ton mari va voir ça, et il va voir que c'est plus joli que l'autre, il va aller vers l'autre. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de marcher comme Dieu veut, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, regardez. Waouh! Ces choses-là sont carrément sur ses reins. Carrément sur sa hanche. Regardez. Que pouvez-vous dire de cela? Je peux tout simplement dire que c'est beau. Mais quand Dieu nous dit, demande de ne pas les utiliser, il faut vraiment faire attention. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je répète. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je répète. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu fais des dîmes à Dieu, tu fais beaucoup de choses à Dieu, que tu portes des pantalons, tu portes encore ça même que nous sommes en train de te montrer là. Tu mets le rouge à lèvres, oh ça vient du démon. Tu mets le make-up, oh ça vient encore de Satan. Tu comptes aller où? Au ciel ou au paradis? Mais regardez vous-même. Et jusqu'à ce niveau, vous êtes d'accord avec nous? Vous pensez que c'était un hasard? Qu'est-ce qui inspirait les humains à les fabriquer? Est-ce que c'est Dieu? Si on vous dit que Dieu n'est pas derrière tout ça, c'est que c'est Satan. Absolument! Regardez, c'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Différents types, différents modèles. Regardez bien. Regardez la couleur. Est-ce que ce n'est pas joli? Est-ce que ça ne te séduit pas? Ah! Les féticheurs utilisent de telles choses. Vous aussi, vous utilisez ça. Oh, le féticheur est censé représenter un agent de Satan. Est-ce que toi tu es un agent de Satan pour utiliser les mêmes outils qu'un agent de Satan sur toi comme ça? C'est comme quelqu'un m'a dit que tu as attaché un serpent à ton rein, mais tu ne sais pas. Il y a plein de femmes qui ne le savent pas encore. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que si vous avez ça sur vous, c'est le moment de faire le bon choix, de choisir de vous séparer de toutes ces histoires. C'est l'heure de vous changer, mes frères et sœurs. C'est l'heure. C'est l'heure. Regardez ça. Waouh. Ici, les choses deviennent claires. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette fille-là, elle a carrément, elle est vraiment très belle. Vraiment plus belle que belle. Mais elle a des choses sur elle qui sont vraiment assez compliquées, qui viennent des démons. Regardez. Même le bracelet. Et regardez son corps. Ce fil-là ou encore, ces fils qui se trouvent carrément sur sa hanche. Et sa main positionnée là au bon milieu là, juste pour vous dire que ce n'est pas là pour rien. C'est là juste pour séduire, c'est un objet de séduction. Est-ce que Dieu aimerait que vous soyez comme ça? Et que vous vous habillez de la sorte? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Franchement. Vraiment. Vraiment mes frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est pas beau. Est-ce que je me suis en train de vous dire que c'est laid? Mais bien sûr que non. C'est plus joli que joli. Mais
Dieu nous dit aujourd'hui la vérité, ce qu'il doit nous dire pour sauver notre âme. Si vous avez ça sur vous et que vous transportez cela avec vous, même jusqu'à la mort, ne soyez pas étonné que Dieu vous dise qu'il ne vous connaisse pas. Là, Dieu va vous dire, oh, tu dis que tu es ma fille, mais je ne te connais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? N'ai-je pas cherché les démons en ton nom? N'ai-je pas dit à tout le monde que tu es jolie? À ce moment, il va te dire, ma soeur, tu as cru que c'était de la blague quand Yann Souban te parlait de ça. Hein? Regardez, parce que tu as regardé son visage, tu as dit qu'il est joli. Tu n'as pas fait attention à ce qu'il te disait en te présentant ces images-là. Tu aurais dû te débarrasser. C'est parce que ce sont des faux dieux que tu portais sur toi, mais tu ne le savais pas. Aujourd'hui, tu sais ces choses, mes frères et soeurs. Frère, ma soeur, mon frère. Même les garçons aussi ont ça. Hein? Oui, les gris-gris qui sont sur terrain là. Voilà, tu as tout compris, tu as tout compris. Es-tu un magicien? La magie vient du diable. Es-tu un féticheur? Le fétiche, ou quoi, le fétichisme, toutes ces histoires, ça vient de Satan. La sorcellerie vient du diable. Si une femme porte ces genres de choses-là, ce sera facile au diable d'avoir accès à elle. Je vous le dis, parce que le diable va dire, c'est moi qui les ai créés, c'est à moi que ça appartient. Donc tu ne peux pas me dire que tu es une femme de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc ça m'appartient, le diable aura accès à ta vie. Change ta voix. Et les bagues, n'importe quelle bague vous mettez sur la main. Regardez cette bague là, et regardez son bracelet qu'elle a. Où est la différence? On a l'impression que ce rond qui se trouve là, ça ressemble à une boule de cristal ou quel que ce soit, mais ça vient de Satan. Toutes ces histoires réunies là, viennent de Satan. Même des femmes dans l'Égypte ancienne, dans l'Ancien Testament, on nous parlait de ces choses. Ces choses-là viennent de la magie. Ce sont des choses qu'on utilise comme des ornements. Quand par exemple une sorcière doit aller faire son rituel, elle a une manière de s'habiller. Elle va s'habiller comme ça, avec de telles choses sur elle. Parce que c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire son rituel et elle doit invoquer Satan. Pour invoquer le diable, elle a besoin d'être habillée comme il se doit. Et ce sont des conditions à remplir. Est-ce que tu es une sorcière? Est-ce que tu es une sataniste? Change tes voix aujourd'hui. Tiens compte, prends compte de ce que nous sommes en train de te dire. Prends compte, on a parlé des bijoux, des pantalons, de toutes ces histoires. Dans la prochaine vidéo analyse, nous allons parler de quelque chose que vous connaissez encore. Qu'est-ce que c'est? Bon, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la TV et vous allez voir, ça sera une surprise pour vous demain. Ça va être chaud! Moi, mais j'ai hâte de voir cette vidéo-là même. Ça va être chaud. Ne manquez pas la prochaine vidéo, ça va être chaud également. Nous sommes toujours connectés sur Yes Group. Et nous continuons à travailler. Mais que vous sauvez des âmes, que tu bénisses, frères et sœurs. Si tu es gentil, ma soeur, et que Dieu merci, cette vidéo t'a permis de changer, clique sur j'aime. Et pas seulement. Partage cette vidéo à tout le monde. Après t'être abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche à côté de s'abonner. Et tu partages cette vidéo-là à tout le monde, à toutes tes soeurs, à toutes tes mamans. Il y a même les mamans qui ont ça, elles ne savent pas encore. C'est pourquoi nous sommes là. Vous révélez toutes ces histoires afin de sauver votre âme. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scribble. En dessous de cette vidéo, c'est tout. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!